T'as fait baisser ta 10 cents là, 4? Ça descend peu à peu, moins 0.2 partout, par jour. Le rage, on va te fider comme d'habitude. Putain, mais il est sous-développé le rage, il est encore en tech première guerre mondiale quoi. C'est clair qu'ils ont pas évolué, puis ils ont jamais connu autre chose. Attention comment tu parles des sujets de sa majesté, toi quand même. Hein. Oh, pff, les sujets de sa majesté, je lui chie dans la bouche. Hein. Bah, ouais, 4 est un sujet de sa majesté, hein, dans un sens. Hein. Jamais. Ah ouais, bah si, bah non, hein, attends, monsieur, le Canada fait partie du Commonwealth, il me semble. Le Québec est indépendant. Non, et jusqu'à nouvel ordre, le Québec c'est fait partie du Canada, monsieur. Je sais pas, mais le Canada n'est plus un état fantoche des Anglais. Oui, mais il est dans le Commonwealth. Comme l'Afrique du Sud, comme l'Australie. Et il me semble que jusqu'à nouvel ordre, le dernier référendum au Québec, ça a été du 52-50, non? Ou un truc comme ça? Donc vous êtes encore des... Donc, Kat, tu es un Canadien, tu es un peu un redcoat, tu vois. Jamais. Sur le papier. Tu aurais très bien pu aller mourir sur les plages de Dieppe avec un uniforme anglais et un casque anglais, tu vois. Yark. Jamais. Et t'aurais été content, t'aurais dit God save the Queen en même temps que God save the Queen. Je m'aurais caché dans le bourg. Ah ouais, forcément. Lâche comme tu Elle est m'engagée dans l'armée anglaise, Berk. Bah sinon, il y avait des Anglais dans la SS, hein. Il y a eu le British Corps de 80 soldats anglais dans la SS. C'est sympa. Joyeux, tu sais. C'est bon, toute mon armée est à niveau. Bon, où ça on est alors? On approche là, 35, mai 35. Ouais, pour l'instant, je sais pas l'event. Ouais, tu l'as début janvier 37. Kat est monté à 36 pp, Yunstar est monté à 106 pp. Ah, ça y est, l'Italien a bouffé l'Ethiopien, dommage. Ah, tiens, j'ai une division en Somalie, alors elle, on va l'upgrader. Oh, c'est le Somaliland Camel Corps. Ouais, attention, hein. Putain, les mecs, ils ont des chameaux et tout, c'est beau. C'est de la milice 1926, ok. Voilà, mes divisions d'infanterie motorisée sont encore de construction. Ah merde, j'ai oublié de fider le belge aussi. Oh bah il est à fond le belge, putain, enculé de belge. Après il doit pas avoir beaucoup de divisions. Tu vas rire, mais le belge il a en métropole 22 divisions. 22 divisions ? 22 divisions belges, monsieur. Ah ouais, ah, je pensais qu'il en avait moins de 10 carrément. Pas mal hein ? Ah ouais ? Allez, 4 usines d'un coup. Oh ça y est, de l'infanterie 21 qui s'upgrade, ça fait plaisir. Mais ouais, moi aussi je suis un peu à la traîne. Ouais, toute mon infanterie est upgradée. En 36 ? 31. Ah ouais. Ah bah attends, en 36, je suis à 60%. Ouais, t'es à combien ? Je vais te dire ça, technologie, infanterie 36... 61,4 ! Ouais, on est à quelques... On a lancé en même temps, nous, hein ? Ouais. Ah bah c'est la première tech de ma ligne de production en technologie. Ma capacité industrielle a augmenté, puis ça consomme plus de métal. Ah bah ouais, bah forcément, hein. Donc il faut acheter, il faut mendier des miettes. Ouais, je vais t'en donner un peu, Kat. T'en veux combien ? Je lui donne rien. Oh, le plus possible. Vois ça comme un cadeau d'amitié en nos donations. Pépé qui joue le sauveur d'une partie. Incroyable. Pépé, oui Pépé. Chante mes louanges, Kat. Oh, Pépé, le dieu. Voilà, prosterne-toi. Les Chinois s'inclinent devant la puissance anglaise. Ah, c'est ça. Nouvelle équipe de tech, oui. Foiré, il a débloqué son slot. Oh non, putain. Je t'abuse. Oh là là. Oh, les Mongols, ils font... Oh putain, ils font chier. T'as les révoltes. C'est le... Hey, je crois que ça te coûte cher, ça, Kat, hein, de faire ça, hein. T'es rebelle. Ça te coûte combien de faire cette merde, là, il me semble? Bon, 500, mais... Ouais, 500 de thunes. Je peux pas investir, fait que je m'en fous. 500 de thunes pour 3 rebelles. Ouais, mais t'aurais mieux compte de gagner ton fric pour lancer des programmes technologiques. Ouais, je suis juste chier un peu japonais, un petit peu. C'est le troll. Gentiment, tu sais. Tout en douceur. Avec des litres. Juste pour lui montrer que je suis là, tu sais. Comme ouais. Coucou, je suis là. T'sais, tu jettes le bout de caca par-dessus la frontière, tu sais. Voilà, c'est bon, première rébellion matée. Bon, attends, il y avait que 50 mecs, quoi. Les mecs, ils se révoltent. Ouais. Puis surtout que. Tant qu'ils touchent qu'à la Mandchourie, moi, ça me va. Putain, j'ai trop de supplies. Bon, je vais aller en vendre à Joseph. Voilà. Allez, 2000 de thunes. 2000. Alors, oh, l'Allemagne. J'ai moins 18. Pur jeu dans l'armée. Tiens, le chinois, ça devrait te faire plaisir, cet accord. Putain, mais lui donne rien. Ah, il me donne genre 3 de métal, juste pour comment l'industrie fonctionne toujours. Ouais, tu parles, il y avait 1700 de thunes. ce gros menteur, quoi. Standardisation des produits. Allez, 119 pp. 119 ? Ouais. Oh là là là, comment tu fais le bourrin avec le jeu ? J'ai 41, attention. Ah, oh, bah merci. Oh putain, à 85% j'obtiens un plan pour la division 36. J'aurais préféré l'avoir avant. Foiré. J'aurais préféré l'avoir un petit peu avant, quoi. On va pas se plaindre, hein, quand même. Hein. C'est toujours jamais, ça à prendre. Jamais content.
Ah bah qu'est-ce que tu veux, hein, quand on peut avoir mieux. Hein. Oui. Puis 0,10% à chaque jour. Ah bah attends, je vais voir, est-ce que je peux pas faire une petite campagne de diffamation. Ah l'enfoiré. 8% de chance, non je vais pas le faire. Ça coûte combien? 46. Nouvelle technologie développée, infanterie 36, putain, ils ont bourré là. Dès que t'as le blueprint, ça fait que ça fonce. Hein. On va upgrader tout ça hein, pour que Kat ait de quoi s'amuser. Bien sûr. Ah mais je pense à toi, je suis gentil quand même. Ah bah moi aussi, infanterie 36, parfait. Bon, je vais aller faire la tournée des grands ducs, c'est parti, le rage. Oh là là, le rage, allez, infanterie 36, t'en as besoin de ça. Bah c'est long, le 17, baisse. Ah bah ouais, hein. Ouh, le sud-africain qui m'a sorti plein de belles divisions. Putain, ça te chie de la troupe, hein, là, t'es mignon. Ah oh, bah, avec tous les mignons, en genre 41-42, ça te fait 100 divisions, hein. Et puis le rage, c'est un monstre, hein. Il a plus de divisions que l'anglais, tu sais. Est-ce que je l'aurais fait subventionner des rebelles avant de chourir? Non, mais faut pas le fâcher. Ça sert à rien, je veux dire, gâcher 500 de thunes pour ça, pour 3 non, rebelles. Non, c'est 1000. Oh, 1000, mais 1000 putain, mais... Oh la vache. Surtout qu'en plus, tes trucs, je vais te les balayer en 2 secondes. C'est que... Oh putain, l'Australien qui sort de l'infanterie de marine avec du génie, mais c'est fat ça. Putain, plus... De marine. Wow. Plus 2 d'instabilité, merci. Alors, est-ce que j'aurais pas un event pour les faire rendre heureux? Pour les rendre heureux, tu sais, j'aime bien, c'est... Allez, maintenant vous êtes heureux, t'as d'enculé. Oh, le Canadien, qui... Eh, vous vous moquez du Canadien, mais il a déjà 15 divs en 36, hein. Ah, pas mal. Bah, 15 divs, ça tient une case en France en 40, hein. Ouais, tranquille. Allez, c'est bon, tout le monde en 36, oui. Choco, oh oui, Gearing Up for War. En 36, c'est la réoccupation de la Rhénanie, ça. Oh, il a 3 tacs, le Canadien. Viens en Angleterre, toi. Voilà, ça devrait être vu, maintenant. Il y a un bain de sang chez Younstar, tu sais. Il a pris la hache, et maintenant, enculé, hein. Tu siffles moi, hein, avec la hache dans le gosier. Quelqu'un veut me donner Fatou 36. Je fais pitié. On verra, j'étais déjà assez fidé comme ça. Si je vois que Younstar avance trop vite, je viendrai peut-être à ton secours, peut-être. Peut-être, ça j'aime dépend bien. Si, conditionnel. Si Winston s'est bien levé de bonne humeur, tu vois. Le brave Winston. Ah, c'est bon, ma première unité motorisée, sous le commandement de Yamashita, ok. Ah, oh, Yamashita, c'est leur meilleur commandant qu'ils aient eu toute la guerre. Il a eu une triste fin, le pauvre. Ah, il est mort comment? Il a été jugé après-guerre. Il a été reconnu coupable d'avoir donné l'ordre, d'avoir fait exécuter des prisonniers, alors que justement, il avait fait l'inverse, quoi. Il avait donné l'ordre de ne pas les exécuter, mais c'est ses subordonnés qui ont... Donc il a été pendu, le tigre de Malaisie. C'est lui qui a pris Singapour. Ah ouais, ah ouais, je savais pas. Moins d'hommes, moins de chars, moins d'artillerie, il est allé piluer les 40 000 soldats anglais de la péninsule. La honte, une sacrée humiliation. Ma chaîne de prod se finit, ma chaîne d'usine se finit en 1950. Putain. Ouais, j'ai lancé 15 usines. Voilà, j'ai fini toutes mes usines que j'avais lancées. Et vu que là aussi j'ai pas mal de PP dans la modernisation. Ah ça y est, j'ai mes premières infanteries motorisées. Et bah deuxième, parfait. Ah bah mine de rien, attendez, je vais vous dire combien de divisions français il a ramené, il a tout ramené. 112 divisions françaises, hein. Ouais, pas mal, putain. Oh, c'est beau. 10 divisions d'un seul coup, wow. En infanterie 36. Ah putain, alors ça... Voilà, allez, parfait, c'est bon. 4, il aura de l'infanterie 36 en 45, tu sais. Ouais, presque. Elle a tout mon infanterie, c'est l'infanterie 18. Le sud-africain, là, je lui ai filé les plans tout à l'heure, il y a 5 minutes, il me sort déjà des divisions. Je suis raté à 0% de 17. Bah, voilà. Mais c'était long. 47 pp. Ah, il monte, hein, le 4, hein. On se demande comment il arrive à alimenter tout ça. Clearly, il peut juste m'attaquer par le nord. Ouais, si tu m'étonnes tes plages... Oh non, l'Italien qui a réussi à me voler. Vous savez quel tech il m'a volé, ce fils de pute? Motorisé 35. Oh, l'enculé. Alors ça, j'avoue, c'est très sale, quoi. Ouais, comme par hasard, elle a tech super importante. Ah, mais c'est net. Ah, la guerre d'Espagne. J'ai envoyé des Chinois en Espagne, parce que... Tu sais même pas où c'est, toi, ça. Arrête. Tu te fais mal. Spanish Civil War Intervention. Alors on va voir un peu ce que ça me coûte. Ouais, en plus c'est pour voir les républicains perdre. Non merci. Hein. Ouais, t'as tout le 10 cents que je prends. Va te faire foutre. Les Égyptiens veulent négocier. Moi je veux pas de 10 cents. Donc voilà, hop. Tu baisses directement? Ouais, ouais, je baisse mon froc. Oh bah parfait, pour Noël j'ai une nouvelle division. Pour Noël. Ouais, c'est le 24 décembre. Hop, doctrine du grand plan de bataille. C'est parti. Autorisé 35, mais venez, venez, rejoignez-moi. Rejoignez l'armée de Pépé le Grand. Ah oui, j'aime quand tu parles comme ça, c'est beau. Ça t'excite, hein. Ah, au point. Là, tu vois, je me touche les tétons,
Ah, qui va mes tétons saillants. Ouais, avec tes tatouages nazis. Nazis, c'est ça. Malte est gardée par des divisions canadiennes. Je vais aller voir si l'américain, il a du fric. Mais oui, putain, mais il chie du pognon, ça. Ouais, la Merloc, hein. Si tu veux, quand t'es parti 36, je te donne du cash. Ouais, tu vas me donner combien 100 billets? Non, plus. Allez, dis oui, dis oui. Attends, je vais aller faire moi-même la proposition. Comme ça, moi, je serai sûr de pas me faire arnaquer. Ah, attends, tu vas lui filer la tech? Attends, non, je vais voir si je peux. Enfin, s'il a quelque chose d'intéressant. T'es un grand malade, putain, non, mais c'est vrai. Bon, bah très bien, tu me files tout ton fric et je te la donne. C'est mon fric, c'est mon fric. Ouais, 2400 et je te file la tech. Putain. Oh, bah tant pis, on va te faire foutre. Hein. Que tu veux baisser ton design gratuitement. Quel escroc ce Youngstar, quoi. C'est pas parce qu'on est dans une partie avec des gens qu'on connaît qu'il faut être sympa. Hein. Ah, non, au contraire, c'est là qu'il faut être méchant, tu vois. Parce que là, t'es sûr que le mec, il va pas trop t'en vouloir, tu vois. Bon, allez, le Manchu, là, produit un peu. Si tu comptes sur le Manchu pour la victoire finale. Ah, bah non, je compte pas sur lui, mais bon, qu'il me fournisse un peu de viande, quoi, au moins, qu'il soit gentil. Oh, l'Allemand qui me vole infanterie navale de 1925. Le rage. Bah, moi, je vais aller faire ma tournée technologique, hein. Voilà, tu vas aller tout donner. C'est exactement ça, je donne toutes mes techs à mes alliés. Donner, oui, donner. C'est le vœu de Pépé. Tout le monde m'aime, moi. Oui, bah c'est normal, tu diriges le monde. Ah bah donc, en fait, tout le monde t'aime, mais par obligation. La fin de l'époque victorienne, c'est la Seconde Guerre mondiale, hein, la fin de l'Empire britannique, la fin des grands empires, c'est 45, hein. Deuxième infanterie motorisée, je prends. On se tient, parce que je suis, j'en ai aussi, je dois en être à 4 ou 5, moi, là. Ouais, j'en ai 4 de moto. Oh, novembre 36. Ça s'approche. Oh, putain, et 4 est monté à 53 pp, quoi. Attention. Je suis à 121. Ah ouais, parce que t'as mangé un morceau de la Click Gangzi. Tu vas monter à 7, 10. Ouais, tu vas monter à 70 pp, mais vu que tu vas sûrement prendre. Après, le japonais va sûrement passer par derrière. À la Yoon, quoi. Hein. Sodomie, direct. Ah là là, mais laisse donc mes petites tactiques de côté, quoi. Aïe. Ah, le Canadien, 56 pp, putain, le monstre. L'abdication d'Edouard VII. Winnie Dim, non, je veux pas, dégage, voilà. Et voilà, il y a toute mon armée qui est en train de se moderniser, la dizaine qui tombe, c'est parfait. Et puis j'aurai bientôt les bombardiers stratégiques. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Non mais ça c'est pour le long terme, c'est juste que j'avais rien à produire de proche. Bombardier stratégique avec le japonais, le truc qui sert à rien quoi. Oh non, mais l'Allemand a réussi à retarder une équipe de tech. Enculé. Ah, incident de Marco Polo, je peux. Ça y est, 1er janvier 37. Ouais, bon bah, on va attendre encore qu'il y ait un ou deux mois avant d'y aller. Ah oh, la gentillesse. Ouais, c'est pas forcément un cadeau, hein. Bouf. J'envoie un petit destroyer à Hong Kong. Le petit espion. Ouais, c'est ça, exactement. On va aller faire un peu de renseignements. Bah, le problème, c'est que je me bats sur la planète. Mon champ de bataille, c'est le monde entier, tu vois, donc putain, si tu veux. Ouais. T'es obligé d'envoyer des... Ah, c'est vrai que quand tu dois jouer l'anglais face à l'IA, tu dois avoir pas mal de trucs à micro, hein. Putain. Entre l'Afrique, l'Europe, la guerre sur mer, et puis après le Pacifique, c'est pour ça que jouer en coop à deux l'anglais, c'est pas, c'est aussi un choix, hein. C'est intéressant. Hein. C'est vrai que c'est pas trop comme ça, on peut dire, ouais, c'est s'accorder la facilité, mais c'est pas vrai. Non, ah non, pas du tout, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée micro. Hein. Je veux les divisions des mignons. Mais tu vas les avoir, les divisions des mignons. Oh, mais si je les veux les avoir, genre, pendant que la guerre est déclarée, je les veux avant pour préparer mes défenses. Pour les préparer, ouais. Bah écoute, si tu veux, tu fais plein de redéploiements stratégiques et je t'attaque avant. Et je t'attaque pendant qu'ils sont tous en train de se redéployer, comme ça je t'encercle, je te tue et c'est fini. Quelle gentillesse. Ah bah écoute, je suis gentil, je lui dévoile mon plan, alors quand même, il devrait faire l'effort de m'écouter. Jamais. Bon, t'as de la chance, 4, mes bombardiers tactiques seront pas en classe supérieure. Merci monseigneur. C'est gentil. Merci du cadeau. Je suis gentil quand même. Enfin, c'est surtout que mon équipe de tech a pas fini le truc, quoi. Par contre, j'aurais bien aimé avoir cette doctrine avant de commencer. Putain, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de divisions pour attaquer. Bon, de toute façon, on verra bien. Est-ce qu'il a réglé de bien échanger de supply? Non. Pourquoi je te donnerais du supply? Attends, je t'ai même pas encore attaqué. T'es pas censé savoir que je vais t'attaquer. Je vois que des troupes se massaient à la frontière, c'était chez un bon indice. Mais non, mais c'est juste pour dire bonjour, ils font des défilés là, c'est tout.
Ils font des manœuvres dans l'arrière-pays pour éviter de déranger les braves gens à Tokyo et à Kyoto. Non, c'est incroyable de voir toujours le mal comme ça. Oh putain, l'italien qui me vole, infanterie de montagne 1930. Putain, mais ton service secret, c'est la porte ouverte, c'est pas possible, ouais. Pourquoi ça réussit? Putain, mais c'est clair, c'est porte ouverte chez moi, hein. C'est la braderie, les plans, hein. Venez, venez, les plans à volonté, tu vois. Putain. Quand est-ce que le japonais va attaquer? Est-ce qu'il va attendre un juin ou non? Il va y aller, je pense. Je le sens, là. Je vais attendre juste encore un tout petit peu, le temps qu'il y ait encore une deux divisions particulières qui sortent, et ensuite on y va. Ah, t'es prévenu, Kat, au moins, tu vois. Ouais, c'est gentil. Merci. Il te prend pas par surprise, là. Écoute, tu me dis pas dans combien de temps, précisément. En plus, tu voudrais qu'il prenne rendez-vous, tu sais. Bien sûr. Allez, alors je déclare la guerre, à telle heure. Tu veux les plans de l'attaque aussi, hein? Ça j'aimerais beaucoup. J'ai pas de plan, moi je rentre dans le tas. Là, encore une upgrade, c'est parfait. Oh bah parfait, je vais attaquer avec une armée 100% upgradée. Bon bah, j'ai quand même 15 divisions canadiennes en Méditerranée, hein. Ouais, c'est pas mal, là. Non, je demande un peu ce qu'elle fout là. Eh, mais c'est qui chie de la division, le petit 4, hein. Bah, tu m'étonnes. Ouais, là va falloir rectifier le tir, hein. Arrête, 4. Jamais. Je vais résister jusqu'à la mort. Eh ben, tu veux la mort? Il suffit de demander. Oh, j'ai peur. Ouais, bah de toute façon, en plus, j'ai quasiment plus de manpower, donc je vais pas tarder à devoir y aller. Oh putain! Je suis en avance en décryption sur vous. Avec ton destroyer. Moi, bizarrement, je vois le nombre de divisions exactes qu'il y a en face chez tout le monde, hein. Oh là là, le stack de divisions chinoises. Il y en a pas tant que ça, je trouve, moi. Ouais, c'est ça. Arrête d'essayer de donner des fausses informations. Tu veux que je dise à 4 combien il y a de divisions? Il le sait, de toute façon, il les voit, mes divisions. Je suis pas sûr qu'il le sache, hein. Normalement... Je vois les chiffres pas mal approximatifs. T'es en avance en décryption sur lui. Tu vois combien en approximatif? 25, 18, 15. Oh putain, ça fait une belle armée, hein. Ah non, il y a un 15 derrière en réserve. Plus vite les troupes upgradées. Allez, c'est bon. Ah, mon peuple est quasiment content. Quasiment. On va pouvoir y aller. Alors, voyons voir. Est-ce que le Manchu a fait quelque chose de correct avec ses... Punaise, il est encore en train de les upgrader. Le Manchu, il est juste bon à tenir le front arrière, hein. Enfin, t'es 36, ouais. Ah bah, ça tombe bien, je vais pas te donner l'occasion de l'utiliser. Bon, t'es prêt pour la douche? Ah, ça y est, le Japon a déclaré la guerre à la Chine nationaliste. Ok, attends, garde la porte. Garde la porte. Je vois qu'est-ce qui se passe. Voilà, allez, hop, on fait péter la mobilisation. Oh, ça y est, la Chine a tout à bouffer toutes les... Oh là là, la taille de la Chine, j'avais oublié. Oh, les Chines. Ok, attends, t'as carrément tout avalé, hein. Ok, bon, garde la pause. Voilà, allez. Bon, là, j'ai 4 milliards de divisions. Ouais, vu que t'as récupéré toutes les divisions de tes mignons, en plus. Ah, là, j'ai peut-être une chance de gagner avec tout ça. T'as 119 divisions, moi, selon mes mignons. Ah, mais sérieux, y'a beaucoup de... J'ai beaucoup trop de divisions tout d'un coup, c'est comme BOUM! Ah, ça pop, hein! Ouais, y'a la division de montagne! Ils sont bons, hein, des Chinois communistes, avec leur général. Ah, oh, ouais, non! Les troupes à 60 d'expérience! Ah, putain, mais ça, c'est énorme, quoi! Les bonus que ça donne en combat, mine de rien, c'est pas négligeable, hein! Alors, voilà. Alors, leur ravitaillement, c'est bon, les pépés sont attribués, besoin à la consommation, le peuple, il a rien! Se serre la ceinture, hein! Comme d'habitude, hein! Oh bah attends, le peuple il est là pour me fournir de la viande, c'est tout. Il bosse et il se tait. Depuis quand on écoute les revendications du peuple? J'ai découvert des navires, j'adore. C'est où? C'est les Bermudes, ça, je crois. Ouais, c'est les Bermudes. Oh, y'a de la milice, mais je vais améliorer la milice en infanterie. Et ça me fera de la troupe fraîche, voilà. Bon, je crois... N'est-ce pas le nationaliste, t'as tout pété. Ah ouais, le nationaliste, là, il a bien rushé. Normalement, ça finit en 39, la guerre d'Espagne. Fouf. Bon, eh ben, on va pouvoir lancer le... L'offensive? La purée, c'est parti! Oh, y'a de la milice à Port Arthur. Oh là là, ça y est, ça attaque. Ouf, attends, ouf, chat. Fuck that. Allez, première victoire, c'est parti. C'est contre la milice, là. Ah oh, bon, ouais, on a rien à foutre, hein, je rentre dans le temps. Hein. Allez, hop, hein, on va tout péter. Voilà. Oh, y'a la motorisée en tête. Ah, tu contre-attaques, je te l'interdis. Trop tard. 22 divisions! Victoire! Ouais, ouais, pour l'instant je recule, allez hop! J'ai oublié que les divisions avançaient tellement vite! Ah bah les motorisées surtout! Les motorisées, ça fonce, hein! Ah, allez hop, on va envoyer tout merdier! Allez hop, vous, je suis bon, on y va!
Alors, gna, les Américains doivent être indemnisés. Ah, c'est l'accident de Panay, ça. USS Panay. Allez vous faire foutre. Attends, moi, qu'est-ce qu'ils ont demandé du fric là et puis quoi encore? Voilà, ils croient que. Ils viennent faire l'aumône quoi, quasiment les mecs. Ah, c'est ça. Mais bon, oh putain, la défense en profondeur qu'il m'a fait. Oh, tu passeras jamais. Le 13, et toutes les rapports vont arriver. Oh, 4 divisions d'infanterie de marine sous le commandement de Shaw. Contre-attaque! Contre-attaque du choix! Crève, salope! Ouais, mes troupes sont pas organisées, je recule. Yes! C'est pas grave. J'ai fui! La honte! Les japonais fuient de l'armée chinoise. La puissante armée chinoise. Ouais, c'est uniquement en contre-attaque, tu vas voir quand tout le monde sera là. Voyons voir ici. Oh putain, t'as quand même pas mal d'orgas. Ok, ici ça va. Oui, ici tranquille. Allez, bon allez, dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes retardé par des singes? Les singes, ils font mal. Non, c'est pas ça, c'est juste que l'infrastructure est tellement dégueulasse. Ça va, c'est province, hein? Beijing, alors, attendez, j'ai une nouvelle division qui vient d'arriver. Tianjin, 42%, elles sont bien les infras dans le nord de la Chine. Hein. Quoique, non, il y a Linqiu qui est à 10%, c'est assez affreux. Hein. Oh putain, ouais, Yangqian, Linqiu, il faut pas prendre ce couloir pour descendre dans le sud. Hein. Linqiu, Yantang, Gangxi, toute la chaîne de montagne, là, ça pue du derche. Hein. Ah bah, ça c'est clair, de toute façon, la chaîne de montagne, mon but c'est pas du tout de me battre là-bas. Hein. Les plaines Beijing, Boading, Xiaozhuang, Anyang jusqu'au fleuve jaune, c'est vraiment le truc idéal quoi. Y'a que de la plaine, c'est une autoroute le machin. Ça c'est clair. Putain, mais il fait chier le Manchou, allez! Oh, ça fait 4 des avions! C'est comme. Ah bah, là, ils sont bien sans opposition en plus. Ah bah, moi je bombarde, hein, allez! Bah, tu te fais plaisir là. Voilà, parfait, il y a toutes mes divisions qui viennent d'arriver, c'est parti. Bah alors, K4, on contre-attaque pas là, ah, si. Alors... Charge. Ou à travers le fleuve. Attends, allez, chez vous serez là quand... Oh putain, mais c'est vrai, c'est hyper long. Ça donne quoi, cette bataille?